Si je pouvais bâtir un soleil, un empire pour toi sans hésiter, cent mille fois je le ferais. Si je pouvais tout changer, si je pouvais braver la mort, j'irais te chercher, plus jamais je ne on a décidé de faire le projet. Dès le début, j'ai dit à Stéphane, il faut absolument que ce soit Émilie qui fasse les musiques. Et j'y pensais tout le temps, j'étais obsédé par ça. Et puis, quand on a fini le scénario, voilà, je lui ai écrit une très longue lettre. Et puis, on a eu la chance de la rencontrer. Et puis, j'ai contaminé mon frère. Maintenant, je suis totalement Émilie Simonisée. Je l'ai rencontrée pendant le tournage. Elle est passée nous faire un coucou. Et j'ai eu un coup de foudre. Mais je pense que c'est inévitable avec elle. J'ai rencontré Émilie à l'avant-première de La Délicatesse. Et donc, c'est la deuxième fois que je la vois là, aujourd'hui. Donc, non, j'aime beaucoup sa musique. Donc, je suis content de la rencontrer, en tout cas. J'ai vécu à New York. J'ai été étudiant ici. Et revenir pour le film, c'est très émouvant. Cet endroit, le Lincoln Center, on y est passé. Est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'on viendrait présenter notre film? C'est complètement dingue. Ouais. New York, c'est beaucoup de souvenirs parce que j'y ai tourné quelques temps et qu'après, je voulais y rester. Je voulais y vivre. Je croyais que c'était la ville de la liberté et du bel accueil parce que... On peut être là depuis 10 minutes et être un parfait touriste et s'y sentir chez soi. Voilà. C'est un petit peu une ville qui appartient à tout le monde. Voilà. Je trouve que c'est très particulier ici et voilà, j'adore. C'était super, ça s'est super bien passé. Je suis très heureuse qu'on soit tous ensemble à New York pour la sortie du film. Et voilà. Là, il faut que j'y aille parce qu'ils m'attendent et on a une petite soirée. Et puis je vois demain et puis je vous montrerai mon New York. On est sur Bedford Avenue à Brooklyn, à Williamsburg. Là, on vient d'acheter un bagel
était très bon. Chez Verb, c'est notre petit café. Ça fait 3 ans que j'habite ici. Avant, j'étais à Manhattan, donc en gros, ça fait 4 ans que j'habite à New York. En fait, je suis arrivée à Chinatown. Je suis restée quelques semaines et puis je me suis retrouvée dans le East Village, je me suis retrouvée à Chelsea, à Union Square, à Brooklyn, en fait ici. Je ne sais plus où est la sculpture en question là. En fait, c'est de l'autre côté, je crois. Attends. Non. En fait, on va passer devant une sculpture en métal sur laquelle j'ai fait pas mal de photos avec Elisabeth, une amie à moi qui fait des photos aussi. Et c'est des photos qu'on a beaucoup utilisées pour The Big Machine. Ce que j'aime bien dans ce quartier, c'est le street art. C'est que quand on se balade dans les rues comme ça, on va en voir certainement. Tous les jours, il y a un nouveau petit graffiti. Une peinture, je sais pas, un collage. D'ailleurs, on avait fait notre flyer avec Coralie, je sais plus quand c'était, il y a 1 an ou 2. On avait collé dans la rue, faut pas le dire parce que c'est illégal. Faut pas le dire, ça reste entre nous. Je vais pas vous dire ce qui s'est passé ensuite, mais ça va. J'ai pas été expulsée en France, tout va bien. Elle est juste là, la sculpture, elle est en face. On y arrive. Ça, c'est la sculpture. En particulier, où on a fait pas mal de photos. Quand on a fait les photos, il n'y avait pas encore les personnages sur les côtés. Ça a été modifié. Par rapport à ça, bah ouais, ça c'est sûr. But when you are not the girl, nobody buys you flowers. Ici, des fois, l'été, ils installent une scène et il y a des gros concerts. Il y a des scènes avec beaucoup de découvertes aussi. Tout bouge si vite, les gens sont si créatifs, sont très... ils ont faim, quoi. Il y a une grande motivation, les gens se bougent énormément ici. Donc forcément, ça remonte le niveau. C'est vrai, on devient plus exigeant par rapport à ce qu'on crée nous-mêmes, quoi. Donc là, on a une très jolie vue sur Manhattan. C'est la plage magnifique de Williamsburg. Voilà, il y a des enfants qui jouent. Ils ne savent pas qu'ils vont être malades demain. Il y a quelques parcs par là. Il y en a un tout petit, un petit peu avec le même genre de vue, un petit peu plus loin. Oui. Pour les locaux, qui est chouette. Avec des rochers. Avec des rochers. Ouais. Et des rats dans les rochers. Et des rats dans les rochers. Très peur des rats. Oh. À New York, il y en a beaucoup, des rats. Il y a beaucoup de rats. Là, on va passer voir Sissi. Alors, Sissi est une Française, mais qui habite à New York depuis, je sais pas, peut-être 20 ans. Elle va nous raconter ça. Et qui a une boutique sur Grant. C'est un personnage de Williamsburg, Sissi. Vous allez voir, elle est excellente. Oh, la superstar. Il y a quelqu'un ? Bonjour. J'ai des clients dans la cabine, mais c'est pas grave. Hein. Non, c'est pas grave. Moi, quand je suis arrivée ici, c'était les années 80, début des années 80. Et il y avait beaucoup d'artistes. En fait, c'était les artistes ici qu'on appelait des vrais artistes, des gens qui étaient authentiques, qui étaient des peintres ou qui étaient des musiciens. Des gens comme Madonna, d'ailleurs, qui était ma copine à l'époque. Après, on était toute une clique, les Jean-Michel Basquiat et compagnie. Mais les gens n'avaient pas forcément d'argent et ils savaient être super créatifs pour s'habiller. Il y avait vraiment une espèce de truc qu'on ne faisait pas à Paris. Les Parisiennes étaient beaucoup plus genre « Oh my God, mais moi, je ne voudrais jamais faire un truc comme ça. » You know, ils poussaient les boundaries, comme on dit ici. Tu vois des choses comme ça, fleuries, qui sont jolies. Mm-hmm. Bon, si tu vas me dire, oh, ça fait un peu plus âgé que moi, whatever. Moi, j'aime bien les épaules. C'est la façon dont on le porte, tu vois. Celle-là, elle a un grand foulard comme ça. Mm-hmm. Ça fait penser à ces films des femmes dans les années 70
qui tuaient des hommes et whatever, mais elles étaient super style. Tu vois, elles arrivent avec des robes comme ça, mais jamais on aurait pu imaginer qu'elles allaient tuer quelqu'un. Et elles le faisaient. Tu vois, ma fille, elle dit, c'est un peu la classe, tu vois, c'est un petit peu le, non, mais la femme parfaite pour Sissi. It's a cover. Tu sais quoi? Je veux dire, j'en ai marre du noir. J'ai vu que l'autre soir, tu étais habillée en noir, j'ai trouvé que c'était dommage. Ah bah, écoute, bah, ça m'étonne pas. Le noir, c'est facile, tu vois, je veux dire, bah, on est toujours bien noir, mais je trouve qu'on est beaucoup plus resplendissante quand on a pris une option, tu vois, sur la couleur. Et j'aurais bien voulu, tu vois, avoir quelque chose pour toi, enfin, te consulter, que tu me consultes avant, je t'aurais peut-être pas forcément mis une couleur, mais peut-être un print, tu vois, je veux dire, quelque chose de happy. Even though whatever, I mean, I know you, it's difficult to get away from black. C'est vachement difficile de s'éloigner du noir. Tu vois, je te verrais bien avec un truc super romantique, genre très dramatique, mais dans une couleur plus claire. Ça, voilà dans quoi je te verrais. Je penserai à toi quand je me marierai, hein. Bah, c'est pas tout de suite. J'espère. New York est quand même assez sexy. Les filles, elles sont toujours, c'est des travailleuses. Il faut qu'elles aient l'air toujours, genre... à la page et qu'elles soient minces et qu'elles aient un bon style, sinon New York les rejette. Ça, c'est vraiment le consensus général. Donc elles passent beaucoup de temps à s'occuper de leur tenue, de leur maquillage, de leur corps. Je trouve que New York, c'est quand même une ville assez pionnière pour ça. Après ça pourrait être sympa aussi pour ça toi. C'est super mignon. Ça, c'est du noir, mais tu vois, c'est du noir rigolo parce qu'il y a des petits pois. Pour moi, les vêtements, l'accessoire, c'est aussi un support de création. Ça m'inspire. Moi, je me sens vraiment comme une artiste qui a des pinceaux, qui a des couleurs et qui fait des œuvres d'art. À mon avis, ça va revenir. Tu vois, les filles ont porté du mini jusque-là. Mais il y a beaucoup de longs. Il y a beaucoup de longs cette année. C'est la silhouette qui devient super jolie. Tu vois, c'est beaucoup plus dramatique. Mais c'est très féminin. Super féminin. Ouais. Tu vois, avec un truc comme ça, tu pourrais aller aux Oscars sans problème. Je t'embrasse. Ça me fait trop plaisir de te voir. Moi aussi. Ok, à plus tard. À bientôt. C'est par là. Well, I'm gonna check out what you have here. That's so cool. Yeah, it's like a little spaceship. I never saw one like that. Ça, c'est typique des instruments vintage, en fait, qui ne sont pas du tout faciles à trouver. Surtout pas en Europe, en fait. Petite impro. C'est cool, hein? Ça tue. Je joue du clavier, je joue de la guitare, je joue de l'ordinateur, des boîtes à rythme et plein d'autres petits instruments. Bon, c'est quand même très spécifique comme instrument, on est d'accord, hein? Mais bon, ça, après, il faut le retraiter. C'est une source sonore. Ça, c'est un monument. Ça, c'est un clavier historique qui s'appelle l'Harpe Odyssée. Et en parlant d'historique, ça aussi, hein, tout ça. Ça, si tu montres ça à des musiciens en France, ils sont fous. En fait, je suis tellement émue de voir des trucs comme ça. Ça, c'est génial. The same note everywhere. Si mes amis guitaristes étaient là, ils seraient fous aussi parce qu'il y a des superbes guitares de collection ici. Super belles. Ici, c'est vraiment un endroit génial pour les musiciens, pour aller essayer des instruments. New York is noisy et jusque dans les magasins de musique. Il est allé baisser le son quand même. Elle sonne bien cette guitare. Thank you very much. See you soon. Good to see you too. See you soon. Come back, yeah. Yes. Maintenant, je vais vous emmener voir des gens qui fabriquent des instruments. D'ailleurs, le petit clavier qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on va aller voir Chris de Critter & Guitary. 100... Hello, Chris. Hi, it's Emily. I'm downstairs. Hello.
Hello. How's it going? Good. Thank you. How are you? I'm doing good. You good? Yeah. Hey. What do you think it does? Which one? That one. What do you think that does? I guess it's something who makes it into an image for the TV. Okay, so you take the sound and you make it into something. Yeah. Visual. And here you can change the colors. Yeah. That's what I saw. Yep. Can I try? Yeah. I design and build these instruments with my friend and business partner, Owen. So my name's Chris. Our company is called Critter and Guitari, and we make these. Ah, ça j'adore. Alors là, là on arrive dans l'univers du 8-bit de Mario Bros un peu, tu vois. I loved it and I really wanted to meet the fathers of this little guy. Because I thought that was genius. It's playful, it's very powerful, it's easy to travel with, it's beautiful, it's very creative, it's at the same time lo-fi, but at the same time very avant-garde too. I really love this little guy. He's traveling with me everywhere. I didn't believe in anyone, but I found you today. My eyes are not closed, baby, I still remember. If my words are not that clear, I know my heart is understanding every little kiss of you. Moi, je suis comme une gamine un petit peu, j'adore trouver des nouveaux jouets, c'est un petit peu ça. Ça donne des inspirations, tous ces instruments, et surtout quand c'est inventé comme ça et qu'on a la chance de rencontrer les papas des instruments comme ça qui sont complètement spontanés, complètement aussi ancrés dans notre époque, quoi. C'est fait maison à Brooklyn en ce moment. Et il y en a plein de gens comme ça à Brooklyn. Il y a des gens qui font des pédales avec des sons incroyables pour les basses. Il y a plein de gens qui font des choses intéressantes. Il y a un studio dans le quartier que j'aime beaucoup qui s'appelle Headgear. J'ai enregistré là-bas pas mal de choses sur The Big Machine, mais sur aussi Frankie Knight. C'est un tout petit studio avec un ingénieur du son que j'aime bien qui s'appelle Kyle. I'm Kyle Boyd. I met Emily through Headgear Recording Studios. She came here to record The Big Machine and I was hired as an assistant to be the second engineer for the session. Moi j'enregistre ici parce que c'est à côté de chez moi et que c'est pratique. She's very involved in this song. I thought it was very interesting how she spends a lot of time focusing on the development of an arrangement and instrumentation, the subtleties on how to make a song move through outside sources beyond her piano and vocals personally. Hello. How are you? It's gonna be on the left-hand side, next block, please. Not this one. No, no, further. Between fifth and sixth, please. C'est le studio où on a enregistré pas mal de prises pour The Big Machine. Electric Lady Studio. What's your first name, Frank?
Oh, yes, siree. You haven't seen this, have you? No, it's so, so great. The beautiful things happened here. Beautiful things did happen here. Things that sounds very good. Yeah. Oh my God, I love seeing that. You know, yeah. I forgot those stairs. The same right. Carpet and see, we had the drums over here because yes. It's been my experience that when the drums sit there and play here and you mic this side of the room, it's like yeah. That's where you get that. I remember this discussion where I called Mark yeah. And I mm-hmm. told him, well, where would you go to record bass and drum and have a nice room sound? And he said, Electric Lady. The studio Jimi Hendrix founded back in, I guess, 1969, 1970, and he did a fair bit of work here. And then since then, it's just been one of the sort of more, I don't know, great places to work in New York. David Bowie and John Lennon did Fame in this room. And I don't know, for me it's like, wow, I want to be in that session, you know. It's a funny thing about that. For all the legend that goes with this place, it never feels intimidating to be in here. This was at the beginning of the studio, right? This is, I think, pretty original. Original? You know, it's been here a long time. So it looks like aliens or like a spaceship. Yeah. That's the thing, c'est comme un vaisseau spatial. When I started to live here, I understood that there was a lot that I could learn from the city and a lot of songs that could, you know, happen from this energy. New York is exciting. It's challenging. It's my friend. It's just, I've been here. I've lived here since 1987, and I'm still not tired of it. I mean, and for me, that's the best thing I can say about it. And I don't think I'm going to get tired of it. Oh, we didn't go to the bathroom. The bathroom. I think we should go. Mm-hmm. I think we should go. Les toilettes des femmes. Ladies' room. Old school, hein? Tout est psyché ici. You too. Take care. Have a great trip. Yeah. Hopefully. Enjoy. Thank you. Take care. I'll see you. Bye. Bye-bye. Bye, guys. J'ai rencontré énormément d'artistes ici. Que ce soit des peintres, des sculpteurs, des musiciens, et des créateurs de vêtements. C'est la ville où il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui se rencontrent. Elles sont énormes là. Regarde les super gros chines. Quand je suis arrivée à New York, j'étais vraiment dans cet état d'esprit de remettre les choses à plat, de voir là où j'en étais, voir aussi seule quelles étaient les envies qui venaient quand j'enlevais tout le reste. Quand j'étais plus dans mon cocon, c'est vrai qu'il y a tout YouTube, beaucoup de succès, et c'était génial. Mais au bout de quelques années, je me suis dit que c'était sain aussi d'aller voir ailleurs, de prendre du recul là-dessus. J'ai pas mal joué dans plusieurs clubs à New York. J'ai fait une résidence dans cet endroit qui s'appelait le Cutting Room. Et chaque semaine, j'ai rajouté un nouveau morceau. C'était pour mon album The Big Machine. Et au début, il y avait 20 personnes, 30 personnes. Et puis, avec le bouche à oreille, il y a le New Yorker qui a fait un papier d'une page sur mes concerts. Et puis, les derniers concerts, il y avait la queue qui faisait tout le bloc comme ça. Là, on est sur Lafayette. On va aller voir l'intérieur du Joe's Pub. On va passer par l'entrée des artistes parce qu'il y a une balance et ils sont en travaux. Fermé. Ok, je vais te les faire.
Thank you. La première fois que je jouais à New York, c'était au Joe's Pub il y a quelques années. J'étais supposée venir jouer avec mon groupe. Et ils se sont retrouvés bloqués à la frontière à cause d'un problème de visa qu'ils n'ont pas eu dans les temps. Et je me suis retrouvée toute seule sur scène, c'était la première fois. Et j'ai improvisé. J'avais mon bras, j'avais mon ordinateur, je me suis dit bon ben on va imaginer quelque chose qui marche toute seule quoi. Il n'y avait pas moyen d'annuler mon premier concert à New York. Et en fait ce qui est drôle c'est que c'est par la force des choses finalement que j'ai joué en solo. Et puis c'est à partir de ce moment-là où finalement j'ai développé un set solo. Voilà, donc c'est grâce à cet accident, comme quoi parfois il y a des choses qui arrivent sur le moment, on s'arrache les cheveux, et puis c'est grâce à ça en fait que ça allait débloquer en fait des choses hein, et donner des idées qu'on n'aurait peut-être pas eues, parce que forcément c'est moins confortable hein, que d'être entouré de son groupe. Mais ça m'a donné ensuite, quand j'ai emménagé à New York et quelques années plus tard, finalement je me dis New York c'est la ville qui a voulu que je sois seule sur scène. Well, I said that we should run away and live to fight another day. When I see the devil running free, I'm holding on to you and me. And the sun goes down when he's around, it just set us up to put us down. Well, I know we're not the only two. When they make you change your name, they just break us day by day into millions of small pieces of rainbow. When do you think it will rain? I really wish it could rain. À New York, je me suis retrouvée dans un appartement ici. D'ailleurs, c'est là où j'ai écrit le morceau qui s'appelle Chinatown. Et voilà, c'était là, 69 East Broadway. Et ça fait partie des endroits où on mange très bien, où il y a des marchés partout. Il y a des fruits, des légumes que moi je connais pas. Des poissons, des viandes séchées. C'est vraiment. Très chouette comme quartier. New York, on se promène dans différents quartiers. Il y a plein de communautés, c'est vrai. Et ça donne des rencontres incroyables et des accents qui se mélangent. Donc c'est vrai qu'il n'y a aucun complexe au niveau des accents des uns des autres ici. On est dans un restaurant qui s'appelle The Golden Unicorn, la licorne d'or. Et c'est un endroit où on mange les dim sum, les bouchées vapeur en fait. Et on est avec des amis à moi, Roman, Magali et Nikki. Voilà. So,
How does it work? They just come and you pick up something. Yeah, you ask them what you say, like, what's it? What is it? Well, the thing is, you don't want to order too much at one time. You eat a little bit and then you wait. And then you say, you're supposed to stretch it out. Like dim sum is, you're supposed to eat for a long time. Okay. For like 4 hours sometimes. Okay. 3 hours, you know what I mean? You sit, you have a little tea, I'm hungry, eat some more, talk, you know? So that's what we're gonna do? Yeah, why not? We're gonna hang out the afternoon here? Why not? It was like, give me a sketch pad. Sante. It's usually something on the weekend, you know, like kind of special for the weekend, and you know, you get all your friends together after you've been drinking all night, and then you come and order, you know what I mean, a lot. I think that's what makes it interesting in New York. You can have a taste of everything, but then have really good quality too, like really special. I think that's what makes New York special. It's like a melting pot, you know. So when the tea is finished, you don't have to say anything. You just put it like that, and they know to refill it. And also, in China, like, people are more concerned with eating food. So while you're eating, if someone pours you tea and you say thank you, you don't say thank you. You say, that means thank you. Thank you. So now we're gonna go to Rose Place. And we're gonna visit his studio, which is we are very lucky to do that. Very few people have seen the inside of the studio. Yes. And not come out alive. No. Yes. We're in Brooklyn. We're in Clinton Hill, Brooklyn, at my studio, at our studio. Shea Rose Stars. This building used to be a paper factory a long time ago, and actually before it became a condo, I actually know artists that lived in this building. So the whole building was filled with artists, actually, and they all got kicked out when they changed into a condo, and we were the first ones to move in, so in a sense the artists took their revenge and We're back. We're taking it back. You know, I think in the art world they expect you to kind of have one style and then just do that over. And I think it's a very safe way of working. And I really don't feel it's important to be safe personally, because while you're alive, you might as well do everything that you can. You know what I mean? Like, I feel like expressing is so important to me that I'm willing to risk everything. It's all based on the mood I'm in. It's like music, you know. You feel like, I love calligraphy and I've been doing it for a long time, but sometimes I'll say, no, I want to do more geometric stuff where I feel like at that moment it's more important for me to do something like that, and then I'll transition and do something like this, and then I'll do something like this, which is more, this is like a breakdance painting where I actually danced and made the painting, you know what I mean? I feel actually very touched by his work. It's just beautiful, and it's nice when you know somebody and to see also his evolution as an artist, and like every time we see each other and I can see what he's doing, and I'm lucky. I'm really lucky to be able to see. We get to share that, you know. But then at the same time, going to see you play and all that too, it's inspirational. It's so nice. I think music is such an important part of, like, you know, like what I, when I'm painting. I guess in that sense, as I get into different kinds of music, it kind of pushes me into a different mood. Yes. You know? But you can see, you can feel the rhythm in your paintings. You know musical notes. So if you kind of like reinterpreted the musical note, it'd be really interesting to see like what kind of sound that would be. What is it? This, you know? One I could do. This one you could do. I could do. I will feel completely inspired by
by those three ones. It's to translate it into music. Yeah, I think that would... It's happy, actually. It is, it is. I feel it very uplifting and probably up-tempo, something with a nice drum machine, some percussion stuff. Definitely some percussions, for sure, yeah. And the concept behind it, which is like fireworks, which is like very explosive and kind of, you know. For the big final. Finale. It's final. Like, c'est pas forcément la musique qui va m'inspirer le plus en fait pour mes créations. C'est beaucoup l'art visuel parce que et d'ailleurs ma musique est très visuelle. L'art visuel, la mode même, la sculpture, le cinéma, bien sûr. I don't think I would be a painter if I didn't move to New York, honestly. It's like, it really was something that opened my mind up. And I really felt like I can be free here to do whatever I want. And I think that's the most important thing. Cool, well, it was great to see you guys. Thank you for showing the studio. Always. It was an amazing moment with you. Always. And so nice to have you, always, you know, definitely. Thank you. Okay. So I'm gonna go. I have an appointment with my manager right now. All right, sounds good. So nice to see you. Nice to see you too. And maybe I'll see you later. Yeah, yes. Absolutely. Montpellier stuff. Let's get in touch. Bye. Okay. Bye. Bye. Ciao, ciao, ciao. Bye. You can go back. This is your world. You can look after this. You can slow down. This is your world. Bad day must come. You never lose. This is your world. Hello. Hey. Nice to see you. I met Emily because I worked with her on our earlier U.S. record releases. She, I was introduced to her music through her original score to March of the Penguins for the French version, and I became a fan very quickly and started working with her here just when she started to visit in L.A. and New York before she actually moved to. Artists that I know that have moved to New York, come to New York to really be creative and play music. A lot of artists move to LA to be famous. I think there's a big difference. And to hang out on the beach. That's right. Well, yeah, and the weather is nice. On va travailler maintenant, alors à tout à l'heure. All is white, I think it's now in the night. Everything's cold, so cold outside. Ah bah, it's just there. C'est par là. Donc en fait, on est dans un ciel-ci et il y a des galeries à tous les étages. Hi. Ça rejoint le porno chic, décalé, c'est ça, hein? C'est trash et tu le rends... L'idée, c'est surtout de redonner de la poésie, redonner du mystère à des trucs qui en ont... Ouais. Tu vois, enfin... Cette expo, c'est un travail que j'ai commencé il y a 6-8 ans, en parallèle de mon travail de mode. C'est la continuité de quelque chose que j'avais commencé pour le magazine ID, de coudre sur mes photos et de le refotographier ensuite. Donc c'est un travail très plastique. Assez différent de mon travail de mode, mais qui reste une réflexion sur l'image de la femme dans notre société d'aujourd'hui. Je trouve que dans la presse et dans le monde d'aujourd'hui, on est bombardé d'images et tout est très banalisé. Et j'aimais bien l'idée de redonner un peu de place à l'imagination. Et j'aime l'idée que l'art fasse réfléchir, fasse questionner. C'est très intéressant toujours de voir comment les femmes artistes parlent des femmes et leur vision des choses. Voilà. On part de photos
pornographique et on arrive à une poésie, à une réinterprétation, à un commentaire sur notre société aussi. New York, c'est très inspirant, c'est plein d'énergie, les gens sont très curieux. C'est plutôt l'endroit où souvent les choses commencent. Je pense pas que ce soit un bouquet final, heureusement d'ailleurs, il faut jamais finir les choses. Qu'est-ce que tu te caches derrière le pilier? Je t'ai vu, hein? Allez, on y va. Le fait de rencontrer des artistes comme Rose Starr, comme Sophie Laporte qui vient exposer à New York, tous ces gens-là que je côtoie, sont des gens qui ont faim en fait, qui ont faim, qui ont envie de faire des choses, qui ont un feu, qui ont une énergie de créativité très forte et présente. Et c'est sûr que côtoyer des artistes pareils, de cette trempe, de cette qualité, et aussi humainement, c'est très bon pour la santé. C'est très bon pour tout, pour la tête, pour la santé, pour le moral, pour le cœur. Et c'est sûr qu'on résonne, on résonne avec ces gens-là. Je résonne avec ces gens-là. Church, so oh, that's the one. Perfect, thank you. T'as pas commencé encore. Hein? How are you doing? Nice to see you. I'm glad I didn't miss the beginning. Oh no, it's good. You're it's good, good. It's You're good. Right. Just in time. Tout ce qui est mis en scène, les lieux atypiques, c'est extrêmement inspirant. En fait, on absorbe. Et ils vont monter sur scène. On absorbe énormément. Du lieu qui nous entoure, donc bon, on va l'écouter maintenant. C'est vraiment le genre de concert qu'on peut venir voir, sur lesquels les gens ne communiquent pas beaucoup. C'est un petit cercle, c'est assez expérimental, c'est intéressant, c'est de la musique de l'instant. Là, il retraitait sa guitare en temps réel avec son matériel. Il aime bien l'analogique, il est aussi intéressé par les synthés. Il est intéressant, Aaron. C'est un chouette voisin. Sometimes you have neighbors that are like old people and yeah. They don't like your music so much. So. They just don't like noise. They don't like noise, yeah. They especially any don't noise. Like my noise. Especially yeah. Your noise. Yeah. So yeah, like a year and a half, like almost 2 years ago. And then we became friends and we'd always see each other on the stairs. And she's always out in Brooklyn doing things that are interesting. And then she left and we didn't know where she went. And so she went, I don't know where she went. She went back to France for a while. And I was like, is Emily dead? Did Emily? Oh my God. We were so scared. We're like, where did she go? And like David was like, I don't know where she is. And I was like, well, have a nice evening and yeah. Thank you so much. It was beautiful. Oh, thank you. I loved it. Yeah, likewise. Okay, cool. Well, we'll see you guys later. Yeah. Fantastic. All right. Bye. Bye-bye. Chaque fois qu'on sort, on ne sait pas trop où la soirée va nous emmener. Et ça, c'est vrai, c'est New York, c'est comme ça. This is a request.
Voilà, là, c'est un cinéma qui est très connu dans le coin du Lower East Side. Et d'ailleurs, voilà, ça, c'est la délicatesse qui sort aujourd'hui. Voilà. Ah, très fière. Très fière. Très, très fière. Yeah, New York. Tout le monde te dit bonjour. Ils adorent les caméras ici. Hein. Les rencontres se font d'une manière très spontanée à New York. On n'est pas du tout dans la recherche de la rencontre. On a l'impression que la ville a déjà décidé de nous réunir avec certaines personnes. Et c'est vrai que c'est là que se trouve la magie de la ville. Voilà, je vais aller manger un petit bout et puis on se retrouve après. Emmène dans un endroit très joli. Vous verrez, on a une très jolie vue. Bon bah, à la vôtre. Welcome back, Chichi. Chin. C'est un endroit assez spécial quelque part par rapport à la vue et l'emplacement. C'est quand même assez riche. Là, malheureusement, c'est l'hiver, mais en été, le toit devient magique. C'est des jacuzzi, c'est de l'herbe partout. On a un énorme jacuzzi en bas aussi, donc il y a un côté très free, entre guillemets, très libre, où les gens peuvent se baigner, peuvent danser, peuvent venir prendre l'air, assez spécial. Tiens, ils ont mis l'Empire State Building en bleu, blanc, rouge pour faire ce soir. On leur a dit que tu Ils sont venais, vraiment donc, cool. Ouais, on leur a dit que tu venais, on s'est dit on va faire un petit effort. Donc, ouais. Night in New York is an incredibly electric feeling. That whole, like, when you're a teenager and you walk out your door on a Friday night and you actually feel like anything could happen. I'm 32 and I still feel that way. I know people are 64 and still feel that way. You never know what's gonna happen to you. Nights where I think I'm just gonna have like a quiet evening at home, I end up having a crazy adventure and meeting wonderful people who end up becoming my closest friends for the rest of my life. I don't know. I don't know if everyone on planet Earth is like that, but New York's like that. And it's a wonderful thing for me. C'est vrai qu'à New York, la nuit est très riche. Dans des lieux comme ici, j'ai la chance d'être exposé à une très grande variété de personnes différentes. Et ça, c'est super agréable. Que ce soit des gens beaucoup plus âgés, beaucoup plus jeunes, que ce soit des gens créatifs ou non. Et ça, j'apprécie énormément. J'adore parler avec les gens en règle générale. Donc c'est quand même la richesse des nuits new-yorkaises toujours. C'était mon New York et j'espère que ça vous a plu. Alors la prochaine fois, on se voit, je sais pas où. Peut-être à Los Angeles ou peut-être à Paris, je sais pas. Night.